Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien les amis, on est aujourd'hui sur GTA 4 sur PC. Cette vidéo aurait dû être un autre style de vidéo sur GTA 4. À la base, je voulais essayer le volant sur GTA 4. Vous savez que j'avais déjà fait une vidéo il y a de cela des années avec le volant sur GTA 5, vidéo qui avait d'ailleurs extrêmement plu. Et malheureusement, GTA 4 ne reconnaît pas le volant. Il va y avoir des manipulations forcément avec certains fichiers, un peu comme du mod on va dire, hein. Pour que ça fonctionne, mais malheureusement de base le jeu n'est pas comme GTA 5 puisque GTA 5 lui reconnaît le volant sans rien faire, or GTA 4 c'est pas le cas. On est aujourd'hui sur l'un des GTA 4, l'un des GTA plutôt les plus, on va dire, il a été autant apprécié que autant boudé un peu GTA 4, il a été globalement plus apprécié que boudé, mais c'est un peu une passerelle tu vois ce GTA 4, je sais pas, c'était un peu... Il était unique, tu vois, c'est vraiment le GTA un peu unique, il est particulier, tu vois, on peut pas lui enlever ça que la physique, la patte de d'affichage, la colorie, les contrastes, enfin bref, tu vois, la color correction du jeu, elle est particulière, la physique est particulière, bref, le ragdoll est particulier, ce jeu est particulier, tu vois, c'est vraiment le GTA à part. Quand tu remarques l'évolution qu'il y a eu, par exemple, si tu prends GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, les Liberty City Story, tout ça, etc. La physique était semblable. C'était vraiment à peu près les mêmes jeux, on va dire, avec très peu de différence à chaque fois, hormis San Andreas qui a vraiment changé par rapport à Vice City. Mais celui-là, Rockstar ont fait vraiment changer le truc du tout autant. C'est vraiment incroyable. Je vais juste me remettre ma minimap parce que ouais, c'est mieux avec la minimap en fait. C'est mieux, tu vois, avec le radar, etc, c'est mieux. Hop, let's go. Voilà la petite minimap de GTA 4, là. D'ailleurs, regardez-moi la map. On est sur une game qui est terminée, bien sûr. Il y a quand même beaucoup de choses, hein. Les burger shots, les stations de lavage, le clocking bell, les armes, cabaret, je me rappelle même plus de ça. Donc, le pain and spray. Très compliqué à dire, du moins que mon anglais est dégueulasse, c'est pas ouf. Cybercafé, tout un tas de conneries. On avait là, c'était des théâtres comiques. On va aller vite fait ici, chercher un hélicoptère. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur certainement l'un des endroits les plus emblématiques de cette map. Et surtout l'un des plus gros secrets pour moi, de tous les GTA confondus. GTA San Andreas, GTA 3, tout ça, les anciens GTA... Il y avait un délire secret, il y avait un délire où tu devais comprendre des choses. Tu vois, Rockstar était beaucoup dans... comment dirais-je? Dans le visuel, il te montrait des choses, il est déformé, donc il faisait de la parodie, tu vois, de la satire, comme ce que sont les GTA de base. Mais dans les anciens GTA, c'était pas pareil, tu vois. Tu pouvais les comprendre, tu pouvais les... Mais c'était pas aussi brutal que dans celui-là. Dans celui-là, quand ils ont fait la statue de l'hilarité, c'est ce qu'on va aller voir dans un instant, c'était quand même très très fort. Bon, après... Entre tout ce qui s'est passé après GTA San Andreas, après la découverte du Hot Coffee, du mode Hot Coffee, tout ce que ça, on va dire, amené à Rockstar comme problème, etc. Les Hillary Clinton qui ont voulu faire interdire le jeu, les Jack Thompson, les ci, les ça, les procès, tout ça. D'ailleurs, Rockstar a perdu énormément d'argent hein, dans des procès, tu vois. Et qu'on me dise d'ailleurs que oui, non, ils en ont perdu beaucoup que dans... le délire de Hot Coffee, bah ils en ont perdu beaucoup dans celui-là, oui, mais dans tous les autres aussi, puisque le fait d'aller devoir te défendre face à une cour, un procès, automatiquement tu payes des avocats, donc tu perds de l'argent. Donc indéniablement, toutes sortes de procès, généralement, hormis si tu es la victime et non pas le coupable, on va dire, toutes sortes de procès, généralement, c'est jamais bon, tu vois. Parce que faut quand même se défendre, même si t'as rien fait, donc ça coûte de l'argent, etc. Et bref, quoi, t'as capté. Donc là, on arrive ici. On va aller choirer un petit hélicoptère. Pousse-toi. On va aller choirer un petit hélicoptère. Donc là, tu devais descendre. D'ailleurs, on se rappelle de cette voiture, hein, la Turismo. On l'a jamais vu revenir. Du moins, pas sous cette version-là. Elle était incroyable pourtant. Tellement dommage. J'étais en train d'essayer de faire la roue des armes, mais il n'y a pas de roue des armes. Bon, allons faire un tour sur la petite statue de l'hilarité, puisque c'est pas la statue de la liberté, c'est la statue de l'hilarité. Donc cadeau de la France, hein, fait aux Américains. Hein. Donc dans le fond, tu vois, en tant que Français, YouTuber français, ça nous représente aussi un petit peu, tu vois. Et quand tu vois la tête de la dame, tu te dis bien, regarde-moi ça. Ça ressemble quand même vachement à Hillary Clinton, hein. Et là dans la main, le café chaud. Tu vois, en plus le café il fume. Oh, il était tellement fort.
Le pire, c'est qu'à l'époque, quand j'y jouais à GTA 4 en 2008, je me souciais pas vraiment de tout ça, tu vois. Je m'en foutais, donc il est possible que je sois passé devant la statue de l'hilarité en la regardant sans me dire « Ah ouais, ça, en fait, ça fait référence à ça, ils sont trop chauds, tu vois. » Tombe pas. Non, nickel. Je tombe au bon endroit. Donc, les petits développeurs nous avaient fait un petit secret. On devait justement choper ici, enfin tomber ici grâce à un hélicoptère. Tu ne pouvais pas rentrer à cette porte-là, non plus celle du côté-là, même l'autre de l'autre côté. C'était vraiment à partir de l'arrière-cour, enfin l'arrière-cour, où tu vois l'arrière vraiment de la statue de l'hilarité. Tu rentres là, et là, hop. Et des petites plaques au mur, là tu rentrais là, et voilà. Le mec qui a dû découvrir ça à l'époque, il a dû être ouf. Il a dû te dire, ouais, c'est quoi ça? L'easter egg de Zinzin, mon gars. Je crois que c'est l'une des premières fois, on va dire, entre guillemets, que on a eu ce genre de choses en GTA où là, vraiment, il y avait une volonté de te montrer un secret. En mode, tu passes à travers une texture qui au final, n'est pas fixe. Tu grimpes, et là, t'arrives tout en haut, au niveau de la tête de la statue, tu vois, limite. Et où il y a son thorax, du moins. Et tu te rends compte qu'en fait, bah, le cœur de la statue de l'hilarité, enfin, de la liberté, est enchaîné, tu vois. Et le message, pour moi, c'est un des easter eggs les plus fous des jeux Rockstar. De tous les GTA confondus, c'est un message qui est... Pff, ouais, ils ont été très loin. Dans la symbolique, ça veut dire énormément de choses, tu vois. Tout ce que représente la statue de la liberté, tout ce que représente dans l'Amérique, tu vois, dans son évolution, le pays de la liberté, de tous les rêves, de tous les possibles, tu vois, en mode... Tu rêves de vivre un truc grandiose, tu vas en Amérique pour le vivre, tu vois. Parce que c'est le pays qui permet ça. Bah là, Rockstar, ils viennent de te mettre l'opposé, tu vois, en disant qu'en fait, c'est pas du tout ce que tu crois. D'ailleurs, ça fait écho à l'image de l'histoire de Niko Bellic qui pense venir vivre ici et vivre le rêve américain. Et en fait, il découvre que pas du tout, tu vois. Et bah ça fait aussi un peu écho à tout ça, tu vois. Et c'est un des secrets les plus fous et les... Dans la symbolique, c'est l'un des trucs les plus marquants de tous les GTA confondus. Pour moi. Et tu pouvais tirer dessus, il ne se passait rien. Tu vois, Rockstar a repris cette thématique un peu dans GTA 4, enfin GTA 5 pardon, avec l'Egg of Life au pied de la banque, tu vois, l'œuf de la vie au pied de la Maze Bank, l'Egg qui tient le monde dans ses griffes, pardon, entre le bâtiment de l'IAA et du FBI, enfin du FIB, donc tout ça était assez, c'était assez fort, mais je suis mort, enfin, peut-être pas. Pff, on a eu de la chance, on a eu beaucoup beaucoup de chance. Je sais que beaucoup ne comprennent pas la symbolique comme ça. Et j'ai été reparcourir des forums d'à l'époque, tu vois, dans 2008. Et beaucoup ne comprenaient pas, disaient « Ah ouais, bah c'est bizarre qu'il y ait un cœur, je sais pas. Rockstar a peut-être voulu faire référence en mettant le cœur de la statue de la liberté. » Mais ils n'ont pas compris que le cœur était enchaîné, tu vois. Et que ça voulait d'un coup ne pas dire la même chose. Bref, c'est comme ça. Après, il est vrai que ce genre d'easter egg, soit tu le comprends d'un coup, soit tu le comprends pas. Mais je suis mort là! Et voilà. GTA 4 avait une physique où tu sautais, tu tombais, tu perdais pas beaucoup de vie, mais dès que ta tête touchait le sol, t'étais mort dans le film. Direct. Oh la vache! Et limite, c'est mieux que le pont de GTA 5, on est d'accord. Je suis en train de me poser une question, là. Oh la violence de la K aussi. Bon, le gunfight est très bien dans GTA 5, mais je sais pas, dans GTA 4, il avait un délire particulier, tu vois. Hop, Nico, dépêche-toi, il... Mais t'arrives lui là. Hop, je vais prendre une caisse, je vais me barrer. Course poursuite avec les condés. Wow, 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 wow. Oh la conduite, les gars. Oh la vache. Les flics, ils étaient tellement plus vicieux dans GTA 4 que dans les autres, je trouvais. Pour les coups de... Oh là là, je suis bloqué, genre... Mais putain. Genre, les flics étaient tellement... Attends, je vais tenter un truc. J'ai mis un coup de crosse. Les flics étaient tellement plus vicieux dans le sens où ils avaient vraiment ce truc de... Au dernier moment, ils mettaient un coup de volant et boum, ils te rentraient dedans pour venir te freiner dans ta poursuite, quoi. Où est-ce qu'est le magasin des tourismo là? Il est là, impeccable. Grotti. Hop, hop, hop. Hop, on pète la vitre. Hop. Il y avait aussi un magasin de moto dans la troisième ville, on s'en rappelle. Mais ouais, tout le monde s'en rappelle. Là, t'es arrivé là, hop. Petit coup de calache dans la baie vitrée. Et la Rockstar avait tout prévu, le petit saut. Oh, très bon. Putain, il y a des flics partout aussi. À des endroits qui sont... Ils devraient même pas être là, quoi.
T'as vu quand je te parle du réflexe qu'avaient les flics pour venir te foutre un coup de pare-choc au dernier moment? Dans GTA 5, dans tout ça, c'est bien plus facile à esquiver. Dans GTA 4, non. Ils avaient le côté en mode... T'avais toujours l'impression que peu importe où tu mettais ta direction, gauche ou droite, histoire d'esquiver la voiture de flic, bah l'ordinateur en face, il faisait exactement la même chose que toi, mais à l'opposé. Donc du coup, bah il te rentrait dedans, quoi, en fait. C'est toujours cette impréhension que j'ai eue depuis des années. Quand vraiment t'arrivais comme ça, face à face, c'était toujours si tu tournais par là, hop. Tu vois, c'était jamais l'inverse, quoi. Rares étaient les fois où t'arrivais vraiment à esquiver les flics sans qu'il y ait un choc. Je pense que c'était codé de cette manière-là, en fait. Bon, bah, c'est officiel, on a fait 10 mètres qu'on a... Ouais, on a pété la voiture, là. Vous avez entendu un petit peu les bruits de retour d'échappement, là? Oh, la caisse, tu vois, elle a à la limite pas fait grand-chose. Je l'ai tuée. Oh, bah là, ouais, bah là, c'est sûr, elle est morte, là. Il y a déjà des bateaux! Mais ça fait 30 secondes que je suis dans l'eau, et encore 30 secondes, c'est long. Wow! Oh, je vais mourir. Et voilà. Niko Bellic is dead. Tu voyais vraiment qu'il y avait un délire en mode, dès que tu sautais dans l'eau, t'avais direct les hélicos qui arrivaient. Dès que tu faisais ici, il y avait les hélicos. Oh, bah oui! Eh, ok, ouais. Allez, ouais, pousse-toi de là, toi, la vilaine. Qu'est-ce qu'il a dit? You like women? What? Bizarre votre pote un peu là. Hop 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 hop, donne l'auto. Ça peut durer très longtemps, Hogan. Bon, déjà, attends. Mais elle va revenir, je pense. On va se barrer. Ah non, elle se barre. C'est censé être son mari ou du moins un PNJ qui l'accompagnait, quoi. Et elle s'en va de sang et chacun font leur vie, tu vois, maintenant. Ils s'aiment plus. Vu que je les ai séparés de l'auto, c'est fini, ils s'aiment plus. Alors, je sais pas si on va pouvoir monter bien bien haut. Oh, regarde les véhicules qui apparaissent en bas. On dirait trop dans San Andreas là. Oh, le blocage qu'il y a là-bas, il faut un embouteillage. Ce petit coin là, il y avait la Turismo, c'était incroyable aussi. La première map, première ville du moins. Avec aussi son. La petite zone un peu plus là-bas, là, on va dire en hauteur. L'aéroport. Non, c'était quand même assez fou, hein. On dirait pas, on a l'impression qu'on voit une map de Monopoly du dessus là. En 3D. Bon, par contre, c'est vrai que tout charge au fur et à mesure que t'avances, limite dessus. Tu vois les armes apparaître, tu vois les caisses apparaître, etc. Bon, on est sur un jeu qui est sorti en 2008. Hein. Et là, c'était la troisième partie de la map. Incroyable. Non, GTA 4, y a pas à dire, GTA 4 était incroyable. À l'époque, il m'a pas autant enthousiasmé que maintenant, je vous le cache pas. Avec lui, je sais pas, c'est le côté nostalgie ou le côté de me dire, bon bah maintenant que j'ai, même si j'ai beaucoup joué à GTA 4 à l'époque, surtout à The Lost and Damned et Gettoni, GTA 4 aussi j'ai beaucoup joué, mais surtout les DLC, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je sais pas, il y a une saveur que je ne comprenais pas à l'époque et que maintenant peut-être j'arrive à comprendre, tu vois. Wesh, bah Nico. Et regardez là-bas, qu'est-ce qu'on voit au loin là. Pas bien ce que je viens de faire. C'était Vince, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit au début de vidéo, à la base c'était pour faire un coup de volant et tout, je voulais trop essayer, il y aurait moyen que ça soit une singerie avec la physique du jeu, etc. Bon, malheureusement c'est pas possible. Tant pis. C'était Vince, prenez soin de vous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à retourner sur GTA 4 les gars. Je vous le dis honnêtement, c'est un sacré jeu, tu vois. Avec l'âge, avec le recul, etc. Des choses qu'on ne comprenait pas avant, parce qu'on était un peu plus jeune. Mais franchement, jeu de zinzin. Je vous le conseille vraiment, et vivement pour tous ceux qui n'ont peut-être pas vraiment apprécié ou qui n'y ont peut-être pas beaucoup joué. C'était Vince, prenez soin de vous, ciao tout le monde.